Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. L'AS Monaco accueille Saint-Étienne pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. En cas de victoire, Monaco s'éloignerait de la zone rouge. De leur côté, les Verts peuvent mettre la pression sur Lyon. Coup d'envoi à 17h. C'est terminé. Saint-Étienne l'emporte 3 buts à 2 face à Monaco. Les Verts montent sur le podium provisoirement. Grâce à une très bonne deuxième période, l'AS a renversé Monaco alors qu'il perdait 1-0. Les Monégasques sont revenus en fin de rencontre, mais il était trop tard. Grâce à ce résultat, Saint-Étienne monte sur la troisième place du podium. Ils sont à égalité avec Lyon, mais avec une meilleure différence de buts. Il faut désormais attendre ce soir le choc entre l'OL et le LOSC au stade Pierre-Mauroy ce soir. L'AS confirme surtout sa quatrième place en prenant 7 points d'avance sur Montpellier et l'OM, à 3 journées de la fin. Monaco va de son côté trembler jusqu'au bout. Les Monégasques sont désormais 17e avec seulement 3 points d'avance sur Caen, le barragiste.